Reborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yans Reborn. Bonjour à tous Yans Reborn. Bienvenue les frères et sœurs. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Une affaire qui a éclaté sur les réseaux sociaux ces temps-ci où on voit cet homme publier des messages envoyés par sa femme à un autre homme où ils font des trucs vraiment bizarres. Cette vidéo va apparaître à la fin, cette vidéo sur le camp, vous allez regarder ça. Selon cet homme, il a les preuves que sa femme le trompe et elle est même prête à faire, elle est même prête à divorcer. Et les papiers de divorce sont en train d'être signés et il a tout vu. Waouh! C'est une affaire hors du commun. Et comme c'est venu sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à parler. Et une personne ici a décidé de faire des révélations sur même la femme du gars. C'est vraiment terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Et les révélations que cette personne a données tournent autour des choses un peu mystiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comme on dit toujours, avant de juger quelqu'un, il faut l'écouter. On a écouté l'homme, on n'a pas encore entendu sa femme. Mais les gens déjà racontent des trucs. Il y a un truc étrange sur ce que cette personne va nous dire qui va attirer notre attention. Écoutons la réaction de cette personne face à cette situation. C'est parti. Quand cyclone commence avec lui, j'y pense. J'ai dit même avant que le monde entier ne connaisse. Tu m'en avais parlé. Je t'ai donné mon avis en tant que quelqu'un qui voit loin d'avance. Je te dis que comment cyclone croit que il peut investir son énergie, son émotion sur une dame comme Lady Ponce qui est quasiment à 59 mariages, même si les autres mariages n'ont pas été célébrés. Hein? Lady Ponce n'est plus une femme à présenter. Lady Ponce, j'ai un ami, il va se reconnaître un jour quand je parle toujours de lui. Il m'a dit que son rêve sur terre était de coucher avec 250 femmes. Hein? Ça, c'est lui son ami. Donc là, il a déjà fait des révélations hors du commun. Hein? Avant de se marier. J'ai un ami, il va se reconnaître un jour quand je parle toujours de lui. Il m'a dit que son rêve sur terre était de coucher avec 250 femmes avant de se marier. Et Lady Ponce, c'est une femme. Je dis Lady Ponce que je connais, que tu connais, que je connais parce que je n'aime pas les secrets. Et les faux secrets, je n'aime pas les choses qu'on ne connaît pas. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Lady Ponce, à son actif en tant que femme, c'est pas ce qu'on dit dehors, d'accoucher ou couche au moins, au minimum, 150 hommes, 159 hommes. Quand je compte seulement ceux que je connais, Lady Ponce, se déshabiller pour une femme. C'est pour ça que moi, je n'écoute même pas trop sa musique, parce que quand je regarde, les gens disent « Grand Lady, Lady ceci ». Lady Ponce, c'est une fille, elle peut arriver dans un studio. On dit voici un bon guitariste, ou on dit Belmont de Beauville. Elle se tourne et donne. Ça dit, elle, pour elle, le sexe, tu vois, elle dit, pense, le sexe, c'est quoi? On en avait parlé, non? C'est une fille, tout ce qu'elle veut, elle croit que le moyen de la voix, c'est son sexe. Ah! Les gens aussi, oh, vous connaissez la vie de quelqu'un comme ça. Tchiii! Bon, elle dit, pense, peut être avec un guitariste. Et qu'on dit que le guitariste, imagine avec Kofi Olomide ou avec Fally Ipupa. Tout ce qu'elle va faire, c'est son sexe. Elle croit que tout. Elle n'a rien à la tête, quoi. Tout ce qu'elle sait faire, c'est son sexe. Alors, revenons à Cyclone. J'écoute son truc. Je n'ai pas pitié de Cyclone. Je te l'avais dit. Que Cyclone, si on va dans la tradition de d'où nous on vient, chez les Bantous, chez nous, un homme qui se lève, prend pour épouse une femme qui est capable ou qui a déjà connu ou qui s'est lié à des habits ou plus de 30 hommes ont vu la nudité, cet homme est fou. Parce que personne ne peut redonner au sel sa saveur. Lady Ponce n'a plus de saveur. Lady Ponce, c'est une fille, c'est même pas une femme. Je ne sais pas combien d'enfants elle a, je respecte la famille, je respecte ses enfants. Depuis le début, tout le scénario de Lady Ponce et Cyclone, quand toi et moi on en parlait, je te disais, tu frère, attends la fin du film. Et je t'ai même dit que le film là ne devait pas durer 6 mois. Parce que quand ils sont allés faire un truc là à l'ouest du Cameroun, mais c'est quel homme qui peut laisser
qu'on chatouille sa femme dans une chambre d'hôtel, il attend parce qu'on va donner l'argent. Bon, tout le deuil que tu m'as envoyé, qu'il est en train de faire là, moi j'ai regardé hier nuit, je n'ai pas bien écouté. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai écouté, j'ai dit bon, Cyclone, il savait tout ça de plus. Peut-être il ne trouve pas sa part de butin, peut-être il ne gagne rien dedans. Peut-être depuis le début, quand l'argent entre, Lady Ponce, elle dévie ça avec ses autres gens. Lady Ponce, tu crois que Cyclone va venir dire à qui? À quel humain aujourd'hui que Lady Ponce a trompé Lady Ponce trompe Cyclone même le jour du mariage. Ah, oh, c'est bizarre. J'ai dit même le jour du mariage. Et je suis sûr que Lady Ponce ne dit pas où je me cache toujours, non. Je connais trop Lady Ponce, je connais trop les personnes. J'ai des amis, je connais, j'ai des amis. Ils vont se reconnaître un jour avec qui on a parlé. J'ai des photos de Lady Ponce que les gens ont déjà fait des choses. M'envoyer moi-même là, moi-même, quelqu'un m'a proposé une fois, une partout. Je crois que si ce n'était pas à Pigalle, je ne sais pas si c'est... je crois que c'était à Pigalle, j'étais à Paris. Je me rappelle le jour là, Lady Ponce devait chanter et je suis arrivé vendredi à Paris. J'étais à l'hôtel, quelqu'un m'appelle, il me dit gars, mais attends, pour rien, je devais taper l'angala. J'ai dit, mais c'est l'angala de Cyclone, c'est l'angala d'un frère que je vois, pas mon ami. Il me dit, ah non, je préfère seulement taper. J'ai la tapé, j'ai la tapé les gars ici dehors que les amis par orgueil me font taper, mais c'est pas des choses que je m'en vante quoi. Je m'en vante pas pour ça. On se vante pas d'avoir fait des choses sales. Bon, tu m'as envoyé le truc de Lady Ponce avec Cyclone. Moi, je m'attendais à ça depuis, on en avait parlé. Je sais que maintenant, tu vas juste me dire par rapport à la vidéo que je suis un visionnaire. Non, je suis pas un visionnaire. Pour ce que je connaissais, même quand Cyclone était là. Tu peux pas te lever, tu peux pas prendre une femme qui a connu plus de 159 hommes et tu dis tu vas l'épouser. Mais prends le porc, sors le porc de la porcherie, tu mets dans l'eau propre. Il va te dire non, je rentre à la porcherie. Même tout ce que Cyclone a raconté dans le truc là, même le gars d'Abouem, même le grec truc là, que ça soit n'importe qui, Lady Ponce n'est plus une femme. C'est plus une femme. Quand le sel a perdu sa saveur, avec quoi vous allez redonner cette saveur? Elle utilise ses mains. Bon, moi, il y a des débats que je n'aime pas. Bon, pour Lady Ponce, dans son cas, elle profite bien de la communauté de Cyclone. Je dis bien, Lady Ponce profite bien de la communauté de Cyclone. Elle est partie à Tchang, elle est rentrée avec 35 millions de francs CFA. Il y a combien de musiciens? Il y a combien de chanteurs qui peuvent se déplacer? Je dis, Lady Ponce est partie à Tchang. Elle est rentrée avec 35 millions, minimum même 35 millions de francs CFA. Parce que la communauté, elle bénéficie seulement de la communauté des Cyclones. Et là même, le divorce en arrive peut-être parce que elle commence à sentir que, bon, ce n'est plus ça, elle veut un peu tourner, elle veut faire son virement, mais Lady Ponce, on a, que Cyclone se calme, qu'il se calme. S'il dit qu'il va se suicider, comme tu m'as dit hier, qu'il devait se suicider, je dirais qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je ne me suiciderai pas pour une femme qui a connu plus de 159 hommes. Je dirais tout simplement qu'il a été juste une victime. Et la vérité, c'est qu'il faut aussi savoir que Lady Ponce est dans le truc là pour la musique. Ce que je t'avais dit là, elle doit pour coucher à les hommes pour prendre le pouvoir. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quoi? Vous avez entendu ça? Attendez, revenez un peu en arrière. Il a été juste une victime et la vérité c'est que il faut aussi savoir que Lady Ponce est dans le truc là pour la musique. Ce que je t'avais dit là, elle doit pour coucher à les hommes pour prendre le pouvoir. Wow. Lady Ponce dans le truc que je t'avais dit là, tu te... le truc à succès là. Mais n'oublie pas qu'elle a marié Mongo Faya, qui est mon, okay, mon tonton, non? Bon, tout ce que Cyclone a raconté, tout ce que Cyclone raconte dans ta vidéo, je te dis comme un frère que Lady Ponce, son talisman, veut qu'elle baise avec le premier venu. Je te mets au défi, je te l'avais dit, que le mariage ne va pas durer 6 mois. Et après 6 mois, tu m'as dit qu'apparemment ça ne donne pas. Je te dis, ça ne peut pas donner. Le talisman de Lady Ponce voudrait que Lady Ponce, elle te regarde comme ça. Si le truc là dans tes yeux dit oui, elle se tourne, même si c'est au cabinet, elle te donne. C'est son talisman pour avoir le succès. Tant que Lady Ponce va arrêter de baiser avec les hommes, si Lady, même tous les hommes avec qui Lady Ponce baise, tu vas voir, ils auront tous les problèmes. Ils auront les problèmes financiers, ils auront tout un problème quelque part. Tu te rappelles, je te l'avais dit que Cyclone va trouver les problèmes. Lady Ponce a un talisman. Dès qu'elle couche avec un homme, dès qu'elle te voit, dès qu'elle couche avec toi, ou tu auras les problèmes dans ta famille, ou tu vas perdre ta femme, ou tu auras un deuil, ou tu auras tout quelque chose, c'est son talisman. On en avait parlé, non? Il ne faut pas me faire parler des choses qu'on en a parlé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est un truc comme les pratiques occultes. C'est bizarre. D'ailleurs, il y a une sorte de sorcellerie dedans aussi. Croyez-vous à cela? Bon, comme on dit toujours, j'ai qu'un faut écouter, mais c'est quand même grave. Hein?
Vous êtes avec une femme et tout tombe dans ma vie, tous vos affaires tombent. Ce n'est pas de la blague, hein. Tu vois, on en avait déjà parlé. Bon, la vidéo de Cyclone, quand j'écoutais, je riais et disais, c'est sûr que tu as écouté et tu veux juste me dire, ah, tu avais raison. Je n'ai pas raison, je n'ai pas besoin d'avoir raison. Mais Lady pense, son talisman, c'est le baiser avec le premier venu. C'est son talisman. Tous les chanteurs là, les petits pays, tous les musiciens ont un talisman. Et chaque talisman te dit, Lady pense, ça dit, tout ce qu'elle va faire, hein, si elle arrête de baiser avec les hommes, son succès pas. Quand tu vois, on dit que Lady Ponce brille comme ce moment-ci là, c'est qu'elle est en train de baiser de gauche à droite. Et voilà, on en avait parlé même avec ta femme. Tu vois, voilà ça qui sort. Que Cyclone dit qu'elle baise avec elle, elle baise avec elle. C'est ça son talisman. Et il ne peut pas changer ça. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que lui, son côté jumeau commence à influencer, c'est pour ça qu'elle fuit. Et tous ceux, je vous mets à défi encore, je te l'avais dit ça, que tous ceux qui ont couché avec Lady Ponce, s'ils n'ont pas les problèmes dans leur vie, dis-moi un seul qui trouve le succès sur son chemin. Je te dirais qu'il manque. Il y a des. Hein? Qu'est-ce que c'est ce truc? Gens qui ont fini avec Lady Ponce, un seul qui trouve le succès, qui ont couché avec Lady Ponce, s'ils n'ont pas les problèmes dans leur vie, dis-moi un seul qui trouve le succès sur son chemin avec Lady Ponce, s'ils n'ont pas les problèmes, je vous mets à défi encore, je te l'avais dit ça, que tous ceux qui ont couché avec Lady Ponce, s'ils n'ont pas les problèmes dans leur vie, dis-moi un seul qui trouve le succès sur son chemin, je te dirais qu'il manque. Il y a des gens qui ont fini avec Lady Ponce, ils cachent les vérités. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, mon petit, tu es mon petit. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça? J'ai dit, tu sais, ces choses-là, c'est des choses quand vous ancrez dedans. Quand elle te dit, fais-moi ci, fais-moi ça, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. C'est même les mêmes choses que les footballeurs, non? Les petites filles qui vont avec les footballeurs, elles croient qu'elle avait un homme. Tu n'es pas avec lui. C'est un talisman. Dieu merci, c'est une personne. Et quand tu vois les disponibles, tu vois une déesse, oui, c'est pour attirer cet esprit-là. Tous ceux qui connaissent, tous ceux qui vont connaître Lady Ponce n'auront que des problèmes en cachette ou en quoi qu'ils ne vont pas dire. Et tu as vu, pour Cyclone a commencé de plus. Même quand il dormait dehors un moment là, quand tu m'as appelé pour me dire que Cyclone n'a pas où dormir, qu'est-ce que tu t'avais dit? Je t'avais dit que Cyclone dort dehors, oui. Parce que l'esprit là-bas, l'esprit là t'embête, ça embête ton entourage, ça embête ta famille. Tu vas voir même dans la famille de Cyclone, il y a des gens qui ont des petits problèmes sans savoir où ça vient. C'est qu'une fois l'esprit là s'est installé dans ta famille, dis à Cyclone de te donner le nom de tous ceux. Il connaît tous ceux qui ont couché Lady Ponce pendant qu'il est là. Dis à Cyclone de te donner le nom de tous ceux qui couchent avec Lady Ponce. Tu verras que tous ces gars ont les problèmes. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? Hein? C'est des révélations graves quand même. Tous ces gars, tu vas voir, il y en a, leurs enfants commencent à devenir zinzin à la maison. Tu vas voir, il y en a qui, leurs femmes commencent à être traumatisées à la maison. Tu vas voir, ils ont les problèmes dans leur affaire. Même les abouins, même les grecs, trucs là. Si tu les appelles, tu leur demandes, ils vont te dire qu'il y a des choses pas possibles qui se passent autour d'eux. Lady Ponce, c'est son talisman. Elle doit coucher au moins avec 259 hommes avant de quitter la terre. Et elle approche. C'est pour ça que son succès va que de succès en succès. Beaucoup de musiciens, beaucoup de footballeurs, beaucoup de stars font ça. Elle n'est pas la première. Je ne peux pas la juger. Je peux juste te dire que c'est Cyclone qui était naïf. Tout ce qu'il fait là, la vidéo que vous partagez là, arrêtez de partager, mais occupez-vous un peu de Cyclone autrement. S'il vient me voir, il veut lui faire un petit poussement là, parler deux, trois mots. Il va voir comment il peut sortir de ça. Pour le moment, comment sortir de ça et trouver sa bonne, se retrouver. Parce que ce qu'il fait là, il a besoin de se retrouver, il n'a pas besoin de parler. Parce que c'est sa folie qui commence là. Hein. C'est un talisman. Je peux te dire, les gars, Paris qui ont touché, c'est mal, ils pensent, avec un bisou. Leur porte-monnaie n'a plus jamais connu de succès. Thierry, de la magie. Je me rappelle un jour, Lady Ponce, Cyclone a engueulé quelqu'un d'aller faire sa vie qui était en chantier. J'ai dit, la tienne, ton chantier va commencer. Et tu vas voir même, ne sois pas surpris si on ne travaille pas sur Cyclone. Il va vendre son truc qu'il dit qu'il a au Cameroun. Il a vendu les voitures, non? Tu vas voir, il va que vendre. C'est un talisman très fort, mon gars. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut qu'il voie quelqu'un, on le repose encore, on lui sort de là où Lady Ponce a posé. Ce n'est pas Lady Ponce qui fait, c'est un talisman. Tu maries Mongo Faya et puis tu es simple. Mongo Faya et tu es simple. Lady Ponce, il va voir. Elle n'aura que le succès. Même ceux qui viennent là auront que des problèmes. Ils vont perdre les enfants, ils vont perdre les femmes, ils vont perdre beaucoup d'argent parce que c'est une déesse qui a signé ça. Et c'est ça qu'elle a choisi de faire. Et vous ne pouvez pas stopper. Bon, arrêtez de vous plaindre. Lady Ponce a créé un gars Bami. Il n'y a pas de Bami qui tient. Il y a beaucoup de gars Béti, beaucoup de gars Bassa qui sont ruinés sans savoir à cause de Lady Ponce. Bon, il ne faut pas toi amener la tribu dedans, non. Elle n'a pas ruiné une tribu. C'est ce qu'elle a choisi de faire dans la vie. C'est comme petit pays. Quand un petit pays décide de faire ci ou de faire ça, il n'y a pas de tribu. Il voit ce qu'il veut en toi, il prend tous ces musiciens, vous qui les côtoyez, dites-leur,
que tous les talismans, là, c'est ça. C'est ça qui le pousse à faire des choses. Bon, je voulais juste te répondre en vocal parce que s'il t'appelle, tu ne vas pas me laisser aller faire le sport. Je ne vais pas aller courir là. Mais dis à Cyclone que s'il a besoin d'aide, il m'appelle. Et moi, je n'ai pas de problème, je peux l'aider. S'il a besoin d'aide, je peux l'aider. Parce que là où il est là, si on ne se dépêche pas, il va vendre tous ses choses. Yeah. Yeah. Wow, vous avez entendu ça? Du genre, une affaire où on dit que quand tu couches avec une femme, automatiquement, tu perds tout dans ta vie, tu n'as pas ta chance. Est-ce que c'est ça? C'est ce que la personne vient de dire en général. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrange. Ça, c'est une révélation grave. Nous savons tous que ceux qui sont dans l'industrie de la musique profane, la plupart du temps, certaines personnes ne sont pas saintes et sont plongées dans l'occultisme. Nous devons vraiment faire très attention quand même aux gens que nous fréquentons. Avant d'épouser une femme ou un homme, connaître d'abord son état d'âme. Parce que vraiment, dans ce monde, les gens sont prêts à tout pour la richesse et tout ce genre de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette personne qui vient de parler? Réagissez dans la partie commentaire et expliquez-moi aussi ce que vous en pensez. Ça m'étonne, ça me dépasse, je cherche à savoir certaines choses et pourquoi je vous partage cette vidéo. J'espère que vous allez bien nous répondre. Mais surtout, ne cherchez pas à juger les gens. Les gens qui ont fait le choix. C'est leur vie. Nous devons juste prier pour ces personnes. Au lieu de les juger, les condamner. Moi, c'est ce que je pense. Partagez cette vidéo sur le peuple prochain. Let's go.